Bonjour, je m'appelle Hervé, comme vous pouvez le voir, je fais du VTT. Et j'ai eu l'occasion en fait, de tester la gourde cageless de chez Fabric. Donc comme vous pouvez le voir, cette gourde n'a pas de porte-bidon, tout est directement intégré au sein de la gourde. Donc quand on enlève la gourde, on peut voir qu'on a directement les encoches sur la gourde et puis deux petits pictos sur lesquels on va venir la fixer. Donc c'est assez pratique au début. Sur des petits trajets, je trouve ça plutôt bien. Après, il y a pour moi un point négatif, c'est quand on fait des longues randos, notamment on arrive aux alentours de 3-4 heures, on est fatigué dans des longues montées et le principe de devoir remettre la gourde directement sur ses pictos, précisément, ça devient assez compliqué. Il faut bien réfléchir à comment replacer la gourde, c'est le seul petit problème que je vois. Sinon, par contre, pour tous ceux qui recherchent un gain de poids sur leur vélo, c'est vraiment l'idéal. Après, il faut voir quel type de gourde finalement. Moi, j'ai plutôt des gourdes à double paroi pour garder la boisson un peu plus fraîche. Donc, celle-là, c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est assez pratique. Après, il faut bien penser à vraiment la clipser à fond. Et du coup, pour l'enlever, c'est pas toujours évident. Mais sinon, c'est vraiment un super principe. La gourde est vraiment bien.